Demain nous appartient, spoiler, Chloé bascule avec Anna, elle est menacée par Jim. À l'image d'Anna, Chloé met son couple en péril dans Demain nous appartient. Un jeune héros est sur le départ et Jaya présente ses excuses à Jordan entre le lundi 25 et le vendredi 29 octobre 2021 sur TF1. Sur la semaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 dans Demain nous appartient à retrouver à 19h15 sur TF1, Karim confronte Anna à ses mensonges. Jim n'est pas celui qu'il prétend être. Noah Yosef veut quitter cette et Victoire fait la connaissance de Benjamin, personnage joué par Alexandre Varga. Karim, Sami Garbi, a surpris Anna, Maud Baker, avec Jim, Nicolas Bézin. Ces derniers se sont embrassés dans la rue, avant de rejoindre un hôtel. Karim confronte Anna à ses mensonges. Le policier se met en quête de découvrir l'identité de l'amant de sa compagne. Anna ignore que son destin est en passe de basculer. Alors que Karim est sur le point de faire éclater son secret, la sœur de Chloé, Ingrid Chauvin, est sous la menace de Jim, qui est impliqué dans une sordide affaire. Judith, Alice Varela, qui a été séquestrée par Ivan Yosse, Norbert Aberlik, est toujours hospitalisée. Noah, Tristan Géram, s'en veut de ne pas avoir réussi à déjouer les récents événements ayant secoué cette. Le jeune homme intente un nouveau départ en quittant cette. Chloé a de nouveau succombé à Alex, Alexandre Brasseur. Les parents de Céleste veulent recommencer, mais Xavier, Charles Lelor, déjouent leur plan. Chloé et Alex prennent des risques. Raphaël, Jennifer Loray, l'ex de Xavier, finit par les démasquer. De son côté, Victoire, Solène Hébert, n'entend pas renouer son histoire avec Georges, Mayel El Hajaoui. Elle décide de tester son pouvoir de séduction en se rapprochant de Benjamin, nouveau personnage incarné par Alexandre Varga. Au lycée Agnès Varda, Jaya, Louise Marion, accepte de faire un pas envers Jordan, Maxime l'élu. Elle lui présente ses excuses. Mais Jordan repousse sèchement sa camarade. Audrey, Charlotte Gaccio, veut que son fils enterre la hache de guerre. Sarah, Camille Genot, quant à elle, peine à permettre à Roxane, Raphaël Volkoff, de surmonter son trauma.